Eh bien, salut tout le monde, c'est PetGamer 172. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Donc on est sur Minecraft Pocket Edition, donc la 0.9.0, donc toujours avec le Let's Play. Donc voilà, on va ouvrir aux villageois. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller au biome Mesa. Donc vous voyez, je suis revenu de la grotte, j'ai récupéré le fer et tout. Donc on va aller au biome Mesa pour aller récolter quelques blocs et on va déposer tout ce qu'on n'a pas besoin dans les coffres. Donc voilà. Alors, toutes sortes de fleurs et tout. Hop, tous les blocs. Voilà le bois. On va prendre le minimum, donc un peu de cobble. Et c'est tout. Voilà. On va déposer tout ce qu'on a. Voilà, voilà. Comme ceci. Alors, j'espère qu'on... Voilà, on va faire... On va se faire des sticks et puis se faire une pioche. En faire. Même deux. Voilà. Faire des bottes. Un, comme ceci. Et on, après, on sera bon. Et donc, armure. Voilà. On va s'armer. Hop. Voilà. On met tout ce qu'on n'a pas besoin dans les coffres. Voilà ça. Le fer restant. Voilà. Et on peut partir. Donc on va d'abord dormir, hein. Ça va être le plus simple. Voilà. Hop. Donc comme il fait jour, bouge villageois. Voilà. On va aller directement en direction du biome Mesa. On va aller récolter quelques blocs sympathiques. Donc voilà, donc j'y vais tout de suite. Donc sinon vous êtes nombreux, vous êtes 127, donc ce qui est vraiment bien. Ça évolue tous les jours, hein, de plus en plus vite même. Donc c'est... Et voilà, donc je vous remercie. Alors on va aller voir au biome Mesa. Voilà. Donc j'espère que l'épisode d'avant sur le Let's Play ne vous avait pas trop dérangé. Parce que je filmais avec... j'avais fait ma... peut-être quelques décalages. Parce que j'avais récord ma voix avec Audacity. Et pas en live pendant que je faisais ceci. Donc voilà, on va récolter un peu de sable rouge. Comme ça, on a un peu de tout. Voilà, un peu de sable rouge. Tranquillement. Hop. 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 Voilà. Alors, maintenant, on va aller prendre donc de la pierre du Mesa. Voilà. Donc, on va voir comment si ça se récolte avec la wooden pickaxe. On va voir. Hop. Et je pense que oui, ça se récolte comme ça. Donc, on va encore continuer. Voilà. Donc la wooden pickaxe, on va la finir. Hop, on va en prendre quelques-uns, voilà. Un peu de toutes les couleurs. Comme ça, on aura un peu de blocs de chaque couleur. Et enfin, je ferai un temple pour mettre tous ces blocs. Enfin, un monument, voilà. Ici, il y a du brun, donc on va prendre avec la pioche en pierre pour casser la pioche en pierre. Voilà, donc, hop. Hop, hop, et hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Alors ici, il n'y a plus rien. Donc il y a du jaune, donc on va monter par ici, on va monter par ici. On va prendre le jaune. Là, un peu de cette couleur-là, je pense qu'on l'a déjà. C'est pas grave, on va continuer à en miner. Hein. Voilà, on a cassé la pioche en pierre, donc on va continuer toujours à miner. Donc alors qu'est-ce qu'on a? On a tout ça, ce qui me paraît bien, donc on va voir s'il n'y a pas d'autres couleurs comme... Ok, comme par exemple le rouge et le gris et le blanc qui se trouvent par ici. Donc on va essayer d'y accéder facilement. Ouf, j'ai du bol, voilà. Alors, il se trouve juste ici, donc on va monter comme ça. Ça va être le plus simple.
Voilà, on a éteint le gris et on a en même temps du blanc. Donc, ce qui est bien, voilà. On mine toujours, hein. Hop, 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 voilà. Tout tranquillou. Alors, on va descendre et essayer de trouver du rouge. Donc, je fais une pause, je reviens, hein, tout de suite. Et donc, voilà, donc on se retrouve juste après. Donc, je n'ai toujours pas trouvé donc, l'Ardennais clay, voilà, donc désolé, rouge, mais j'ai trouvé ce beau biome. Donc, regardez, ça charge. Et j'ai trouvé ce biome, mais ça. Mais en plus beau, donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Attendez que ça charge, en attendant, je récolte encore quelques blocs. Donc, j'en ai récolté encore un peu, hein. Voilà. Et donc, vous avez une grande vallée, donc, avec une rivière et encore une grande montagne par là-bas. Et qui sait, peut-être qu'il y aura ça, donc, de la pierre. Mais on ne voit pas trop, donc, voyez, ça charge, hein. Vous voyez, c'est un peu plus grand. On ne va pas trop s'attarder sur ça, on va faire vraiment d'autres projets. On va vraiment commencer par se construire une maison aussi. Donc, ce qui devrait faire l'affaire. Alors, déjà, je vais faire ceci. Voilà, donc j'ai pris assez de choses. Et après, on va aller couper du bois. Donc voilà, donc... alors on est parti, on va couper du bois. Et, enfin, on va aller se faire une hache en pierre. Et on va aller se couper du bois pour faire une assez belle maison. Enfin, on va voir hein, quelle maison on pourrait faire. Donc voilà. Alors je vérifie ici. Ok. On va vite aussi aller dormir parce que le soleil commence à se coucher, donc il faut essayer d'aller de faire vite. Et on ira couper du bois après, donc voilà. Donc alors pendant la pause, hein, comme vous savez, j'ai fait une pause pour trouver le bloc rouge. Mais quelqu'un était rentré dans ma chambre, donc encore une fois mon frère qui m'énerve souvent, donc... Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une pause. Donc maintenant, il faut vite aller retrouver le village qui me semble être par là. Voilà, enfin, j'espère. Hop. Ici, je ne sais pas si on était passé. Ah oui, voilà, là-bas, je vois un PNJ. Oui, donc on a retrouvé le mouton bug à cause des chargements des chunks. C'est normal. Le PNJ qui est sur le bout. On va prendre un peu. De ça, enfin de champignons, voilà. Alors, on attend toujours un peu hein, que ça charge. Voilà, c'est toujours un peu long. Voilà, voilà. Donc, attendez, l'ovule, enfin la distance, ça va. Donc, j'ai abaissé un minimum pour ne pas laguer, mais sinon, ça ne lague pas du tout quand je suis à fond. Hein. C'est ça qui est génial. Donc voilà, alors ma maison est ici, mais avec le chargement des chunks, ça bug, donc voilà, désolé pour cette petite arrêt. Donc je vais attendre, je vais essayer de voir hein, après si ça fonctionne. Donc on attend un peu le temps que... Oui, le temps que ça charge. Je sais plus parler. Voilà, donc on va aller sur le pont ici en bois que les villageois ont fait, et on va aller par là. Voilà, donc ils doivent encore terminer le pont, vous voyez. Donc ils font du bon boulot, on dirait. Donc on attend, parce que sinon, voilà, vous voyez, ça va laguer. Donc on attend un tout petit peu, donc je fais une pause et je reviens, donc à tout de suite. Alors non, c'est bon, c'est bon. Donc ça a chargé en un coup. Donc vous n'avez pas eu de pause, hein, c'est normal. Vous venez pas de rêver, voilà. Donc tout a chargé en un coup au moment où je voulais faire une pause. Donc on va rentrer directement. Voilà, et on va dormir, ce qui est le plus simple possible. Donc voilà. Alors après qu'on est réveillé, voilà, on va déposer toutes nos pierres qu'on a eues du messin, voilà, dans le coffre. Hop. Hop. Et hop. Donc attends, il y a encore celui-là, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut se faire? Donc on va prendre de la pierre, on va se faire des sticks. Voilà, des sticks directement. Hop, et on va se faire une pioche, enfin une hache, voilà. Et on va aller couper tout ça.
par là-bas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'arbres. Donc, on va aller les couper. Donc, en attendant, donc maintenant, je vais bientôt devenir GFX et architecte sur Minecraft Pocket Edition. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que je vous fasse une construction ou quelque chose d'autre, vous voyez toujours le bug de ça qui va être bientôt corrigé. Si vous voulez que je vous fasse une construction, vous pouvez me le dire, une miniature, une bannière ou un logo, je pourrais vous le faire. Et c'est gratuit, donc profitez-en. Donc, demandez-moi ça dans les commentaires et je vous dirai si c'est réalisable ou pas. Donc, voilà. Alors, on va couper ça. Voilà, pour qu'on ait assez de bois pour se faire une belle maison. On va aller voir un peu. Désolé, j'ai crash, donc à tout de suite. Donc voilà, après ce crash, donc je suis désolé, c'est toujours cette version, donc la version Minecraft qui est toujours un peu lourde. Il y a vraiment encore, il y a vraiment encore des bugs, donc c'est pas moi. Donc c'est pas moi parce que j'ai un appareil puissant, c'est vraiment le jeu qui fait laguer parce que la version est encore lourde et dans la 0.9.1, ils vont corriger ça. Qui sortira bientôt justement sur l'App Store. Donc voilà. Alors, je vais couper du bois. Donc, en attendant, merci pour les 127 abonnés, comme je l'ai dit au début de vidéo. Ce qui est cool par contre, c'est que vous n'y avez pas beaucoup de vues sur les vidéos et que je voudrais qu'il y en ait beaucoup. Donc je comprends pas pourquoi j'ai autant d'abonnés et pas beaucoup de vues. C'est ce qui est vraiment bizarre. Donc voilà, alors je vais aller par ici. Hop. Je vais couper plutôt ce bois là pour se faire une village, une maison style PNJ. Donc qui est mieux. Si donc avec l'apparition que j'ai remarqué, avec l'apparition des grottes et tout ça, donc avec des nouveaux blocs, on ne pourra plus que d'habitude car. Car avant, de manière optimisée, et on ramassait plus de cobble que quand on mine donc avec, dans les grottes, ce que je remarque beaucoup. Donc, il faudrait faire aussi une fois, genre un petit style de minage automatisé, optimisé plutôt. Donc voilà. Aussi, donnez-moi des objectifs dans les commentaires, hein, ce qui ferait plaisir, voilà. De trouver d'un stronghold, mais ce sera rare, ce sera difficile aussi. Donc voilà. Alors ici, oh là, on va aller le chercher. J'aimerais bien trouver un biome savane car j'aime bien l'acacia. Donc voilà. Hop. Je pense que je vais prendre. Donc je termine cette arme, mais je regarde combien on en est. Voilà. Hop. Comme j'en ai, on va un peu continuer. J'aurai à avoir deux trous. Un stack et demi plutôt. Voilà. Alors on va prendre les citrouilles qui sont par là-bas. Donc ce qui est cool, on pourra se faire des jack-o'-lanternes. Ah, et une grotte. Pour décorer la maison. Donc j'ai une petite idée de maison très sympathique à faire. Voilà. Très simple. Mais assez beau. Donc voilà, comme je deviens architecte sur Minecraft. J'ai fixe, donc demandez-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires aussi, encore une fois. Voilà, dites-moi si la série vous plaît pour le moment. Voilà, vous êtes libre. Hein. Donc, alors, là-bas, j'avais vu quelque chose qui, voilà, donc, qui était orange. Non, c'était que des fleurs. On va encore continuer à couper du bois. Hop, et hop. Voilà, donc, continue. Ce qui serait bien, avoir des acacias, ce qui est vraiment bien et que j'aime et qui est vraiment beau de cette couleur, cette texture. Voilà, attendez, mon micro tombe, c'est pas grave. Voilà, je suis reparti. En même temps, vous avez pas le son parce qu'il y a toujours ce bug avec la musique qui se met automatiquement pendant que je record, donc avec ce micro là, justement. Donc voilà ce qui est un peu bizarre. Alors qu'on continue toujours à couper du bois. On ne sait pas faire autrement. Voilà. Deux sacs, ce serait parfait.
va pas faire non plus une grande maison, mais moyenne, quoi. Une maison très moyenne. Pas... Vous voyez, les blocs, je peux... Au fur et à mesure, dans la 0.9.0, on peut couper les blocs le plus loin possible. Et donc, une maison moyenne, ce qui serait vraiment bien pour le moment. Après, on fera des usines automatiques. Par exemple, de blé. J'ai plus de pioche. On va s'arrêter là. Donc, je vais juste finir cet arbre de blé et de... j'ai plus d'âge, pardon. De blé et autre chose, donc de patates et tout. On automatisera donc tout ça. Même les récoltes des PNJ, donc voilà. On a toujours ce petit lag, hein, vous voyez. Donc, running, the game is running out of memory. C'est ce truc qui bug. Voilà, donc on va aller retourner au village, se faire tout ce qu'on a besoin. Donc on va faire la maison à côté du village, comme ça on est bien. On est bien posé, voilà. Hop. Et aussi ma map aventure qui va bientôt arriver, hein, qui va bientôt arriver lorsque on pourra changer le game mode des parties, lorsqu'on pourra faire ça. Donc voilà, alors ici je casse un peu de tulipe rose. Donc lorsqu'on pourra changer le game mode et remplir des coffres avec le jailbreak. Donc si vous savez comment faire, dites-le moi dans les commentaires, comment remplir des coffres en créatif avec jailbreak. Donc voilà, en iOS 7.1.2. Donc voilà, alors on va se mettre plutôt par là-bas. Donc je vais prendre un table de craft, comme ça c'est on est plus à l'aise. Et il nous reste 10 minutes pour faire ça, donc c'est assez bien, hein, voilà, des bons épisodes. Donc le premier durait une demi-heure, 29 minutes, ce qui était cool au début. Donc on avait déjà du bois, ça va. On en a bien assez, on a une table de craft ici, ça va le faire, hein. En plus on a des escaliers. Bon, il y a encore un lag, faut pas crash à ce moment-là. Donc je prépare tout, donc il faut se faire encore une hache avant d'aller se faire une hache avant de dormir, voilà. On va se faire encore des sticks et encore une hache, très important. Donc je mets ma hache ici, ça, plutôt ça, voilà. Donc attendez, je vais faire ça plus simple, je vais mettre tout ça là. Voilà, vous verrez pourquoi. Après, je transforme tout le bois. Voilà, voilà, voilà. Vraiment beaucoup de bois. Hop. Une fois que c'est fait, donc on a plus ou moins tout ça de bois. Voilà, on a 3 stacks. Et je vais prendre ceci pour faire les coins. Les coins. Ok, il y a eu un bug. J'ai 4 stacks maintenant. Alors que j'en avais 3, c'est pas grave. Et voilà ça par ici. Donc on va aller dormir. Voilà, voilà. Alors il nous reste plus ou moins 8 minutes, ça va. C'est tranquille, donc posé. On va aller par là. Hop. Et faire la maison sur l'autre rive. Hein. On va être plutôt tranquille. On ira récolter ça après. Voilà, hop, un petit jump. Et on va se faire sa maison, enfin notre maison, ici. Donc voilà, on va commencer directement. On va attaquer par les côtés. Hein. Voilà, on va faire une maison à 2 étages, qui est un des objectifs que j'avais inventé. Donc au 5e épisode, vous aurez, je pense, les objectifs dans la description. Comme ça, vous savez ce qui seront validés ou pas. Voilà. Alors, on va faire la maison qu'on peut voir par ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va l'espacer assez large. Voilà, jusqu'ici. 1. Non, c'est pas par ici, vous voyez. Pourquoi la hache? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à la même hauteur. Voilà. Je pense qu'on est à la même hauteur. Oui, effectivement. Voilà. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça me paraît assez. 14, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va vraiment faire une grande maison pour ce let's play. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ouais, on va faire jusque-là. Donc, il faut essayer de suivre la ligne. Donc, c'est ici. Et la ligne de là, c'est ici. Donc, je pense que... Voilà, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, maintenant, on peut recouvrir comme ceci. Voilà, on verra. C'est 6, hein, mais après, normalement, c'est 7. Donc, mettez pas encore 7. On va vérifier juste après. Donc là, on fait les délimitations pour voir si ça fonctionne bien. Hein, voilà. Voilà, voilà. Hop, ça en casse. C'est un peu ennuyant maintenant. Ça spawn directement tous ces trucs. Et c'est... Il y en a vraiment beaucoup plus. Ce qui est un peu ennuyant. Comme dans le biome savane. Donc le biome que j'aime bien. Donc avec l'acacia. Mais en plus, ça, c'était deux de haut. Et on voit quasi rien. Donc ce qui est un peu ennuyant. Donc voilà. Alors la porte, on dirait qu'elle est là au milieu. Donc je sais pas, j'ai fait ça au hasard. Donc ce sera une porte de 1 assez basique. Voilà, donc on va encore remplir ceci. Voilà. Et ça. Comme ça. Tranquillou. Hop. Et ça, voilà. On va mettre ici, donc 1, 2. Enfin, on va en mettre 2 ici. Là, on va faire une fenêtre de 4. Hop, hop. Voilà, et on continue par ici. Remplir. Et désolé, le truc qui se met tout seul, voilà. Et un bloc ici au milieu, on peut remplir encore avec comme ceci. On va faire comme ça. Ce qui nous... Et désolé, pourquoi ça se met tout seul, ça? Je n'en sais rien. Voilà. Donc on va faire une fenêtre comme ça. Donc vous voyez le running off qui est toujours un problème. Hop hop hop. Donc ça fait vraiment tout la gueule, ce truc. Hop voilà, deux blocs. Et on va mettre 4. Voilà. Donc, deux en plus, ça. Pas là du tout. Voilà. Encore deux. Purée. Encore deux en plus. On a bien. Donc de là, 1, 2, 3, 4, j'ai dit. Pas 5. On a quelques drops. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est bon, on en a 4. Et ici, en plein milieu, on peut mettre un bloc comme ça. Donc là, il y aura des fenêtres. Comme vous l'aurez imaginé, voilà. Ici, on va remplir. Hop, hop, hop. Voilà, jusque là. Et ici, on va mettre... 1, 2 blocs, 3 même, voilà, on en rajoute un, et, ok, lag, un bloc au milieu, un tout petit lag. Donc voilà, donc vous faites pareil pour au-dessus, après vous faites pareil pour au-dessus, donc c'est très simple. Donc je regarde le temps, il nous reste 2 minutes, donc on va s'arrêter là, hein. On va juste faire la porte, voilà. La porte qui va nous permettre de rentrer, bien sûr. Hop. Et commencer à faire un chemin. Donc, je termine le chemin et on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Hop. Hop. Voilà. Tranquillement. Hop, hop, hop. Alors aussi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, voilà, donc Twitter. Aussi, donc, demandez-moi donc pour plus d'infos sur le graphisme, donc pour vos miniatures et tout, demandez-moi ça sur Twitter, donc je serai toujours disponible.
j'y répondrai. Vous pouvez également me le demander sur Skype si vous voulez. Mais je suis un peu moins présent, donc voilà. Alors aussi, dites-moi si cette série commence à vous plaire, si vous voulez que je fasse quelque chose que vous voulez voir sur la série. Et aussi pour les objectifs, donc voilà, pour les... Vous voyez, toujours ce bug, ça m'énerve. Les objectifs du jeu, donc sur le let's play, qu'est-ce que je pourrais faire? Je automatiserai aussi un maximum de choses, hein. Voilà, comme vous l'aurez sûrement douté. Voilà. Et donc, j'ai plus de blocs de bois, c'est pas grave, mais on va se laisser là pour ce deuxième épisode. Donc, on a bien avancé, on aura fait le début de la maison. Et aller prendre des blocs dans le biome du Mesa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Posez toutes vos questions dans les commentaires. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde. C'était iPadGamer172.